Mais Bibi, ta tête, tu sens du jeûne. Mora, la tête de qui sent? Tu dis la vérité, ça sent déjà. Donc maintenant, tu as la force de dire que ma tête sent. Ça fait combien de têtes tu veux l'argent pour vaincre ça? Tu veux qu'on recommence encore à se disputer à cause de ça? Oui, parce que c'est toi qui as, cherché maintenant, il faut que tu as trouvé aussi. En même temps que tu as cherché, en même temps que tu as trouvé. Ça fait combien de temps? De ne pas te dire ce qu'il pense, c'est la vérité. C'est tu penses quoi? C'est la tête de qui? Si ça sentait même, c'est que tu n'allais même pas rester à côté de moi. C'est que tu allais chercher comment me donner l'argent pour aller me creuser. Mais tu es ici là tout le temps que tu dors. Pour parler de ta tête. Baby, papa ne me donne plus l'argent, le poche, il a bloqué tout ça. Donc, comme on disait qu'il faut qu'il devienne responsable, on a beau couper la partie. Maintenant, actuellement, j'envisage même que d'ici peu, il va commencer même à faire d'abord le chantier. Bah, j'en sais. Oh, ouais! C'est moi, Ayon. Moi, Ayon, que mon mari va faire le chantier. Ouais, tu n'entends pas, hein? Après la jambe que ton père a. Borène, ce sont les chantiers que toi, tu vas aller faire. Le père de l'enfant de qui? Dans la famille de qui? La honte, là, va partir chez qui? Hein? Je ne veux même pas entendre. Va tu voir ton père, tu dis à ton père que tu es déjà responsable. Parce que tu as pu me mettre enceinte, donc tu es responsable. Parce que le petit-fils arrive ou la petite-fille. Comme l'incapable de sa femme l'a été, elle ne pouvait pas concevoir. Moi, j'ai pu concevoir. Qu'il commence par lui, commence à te donner l'argent. Tu commences l'hôpital. Parce que moi, je ne veux pas que mon enfant ait mal à la tête. Les choses que tu me récites déjà là. Il y a les concours et pense que bientôt, on va lancer les concours ici dehors. Tu vois ton père te donne l'argent, tu vois quel concours tu peux faire. Tu veux pas entendre les choses comme ça. C'est quoi? Ça va rien changer. Regarde, regarde, tu es enceinte. Hein? Il faut que tu commences les visites musicales. Tu dois faire les efforts. Moi-même, j'ai l'envie de le faire. C'est pas pour un autre bébé que j'ai envie de le faire. Oui, pour aller faire les chantiers. Mais le problème, elle est intéressée. Avec l'argent que ton père a, ce sont les chantiers que toi, tu vas aller faire. Donc toi, tu es au niveau des chantiers. C'est son argent, non? Tu veux qu'il fasse quoi? Tu vas seulement chercher comment tu vas faire, mais pas les chantiers. Tu dis que tu peux avoir ton père. Tu lui dis que c'est comme ça, il te donne l'argent. Qu'il commence à te donner l'argent, que la sorcière arrête de te bloquer les choses. Il y a même quoi? S'il ne donne donc pas, il fait comment? Il ne donne pas qu'il compte sur quoi? Il a encore qui ne dort pas, toi, qui doit même manger son argent ici là. Tu veux qu'il fasse comment? C'est son argent, non? Si on a décidé qu'on me donne père, il fait comment? Il va faire. Tu n'es pas convaincant, tu n'es pas convaincant. Bats-tu cause avec ton père. Comme un vrai homme, tête à tête, tu lui dis toutes ces vérités. Tu lui dis que c'est comme ça, et il doit assumer. Okay. Moi, j'ai l'impression que tu n'es pas consciente de la situation que moi, dans laquelle je suis dans cette maison. Tu veux quelle situation? Parce que je te demande qu'il parte encore voir oui. Par rapport à ça. Tu dois aller le voir. Je t'ai dit qu'il ne peut pas, je le connais, non? Ma grande sœur, c'est comment non? Pardon, enlève tes pattes là sur moi. Pour abonner-moi, nyaou, t'es étourdi. Pardon. Quand tu viens te placer à côté de moi, là, j'espère que ce n'est pas pour me fatiguer avec le bavard. Je ne suis même pas du nord aujourd'hui. Je te dis à d'abord. Ma grande sœur, ce n'est pas le bavardage. C'est juste que depuis que je suis rentré, je fais le constat qu'il n'y a plus à manger. C'est la même tout à l'heure, elle vient de fouiller la mamie. Je trouve que la mamie t'est vite. C'est comment on ne mange plus dans la maison si. Tu demandes à qui la nourriture? Ouais. C'est à moi que tu demandes la nourriture. Donc tu sortais ta grosse gueule là ici là hier que vraiment. Alors que tu peux venir me demander la nourriture après, mais nous a tué. Je crois que tu as la diarrhée. Tu as même le courage de revenir te placer devant moi. Tu me demandes la nourriture. Tu me demandes la nourriture sur ta mère. Je suis ton père. Tu m'as dit hier que tu es beau, non? Les hommes comme toi, les femmes qui leur préparent la nourriture. Arrête de me fatiguer ici là tous les jours et prépare la nourriture, tu manges, tu me sers à rien. Ah, ma grande soeur, le problème qu'on a eu hier là seulement là, tu as gardé ça dans ton cœur. J'ai gardé ça dans tout mon corps. Il n'a même pas gardé ça seulement dans mon cœur. Tu m'as sorti les choses, tu m'as cité ma vie ici là hier, jusqu'à tu es arrivé au niveau où tu me dis que je ma bonne ta. Je fume la cigarette plus que 5 personnes, comme toi et moi on fume la cigarette là ici à deux non. Je te dis que la guerre que tu as déclarée hier, elle te jure que ça va te dépasser. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Et surtout quand on a le même sang. Ouais, c'est tu toi là, tu ne fais que me laver, tu me laves pour les problèmes qu'on a eu. Et moi, j'ai même oublié ça. C'est toi, tu as oublié. Oublié. Toi, tu as oublié. Moi, je n'ai même pas. Je n'ai rien oublié. Tout ce que tu as dit hier, là, c'est ici.
C'est ici dans ma tête. Et laisse-moi te dire, que, même laisse-moi te dire aujourd'hui cela que c'est hier là que tu as signé ton arrêt de. Il peut pas dire arrêt de mort, mais mieux ne sort pas ce qui veut sortir de ma bouche là. Maman. La seule chose que te demande c'est que Michel évite-moi. Évite-moi au maximum. Je n'ai pas envie de te faire un truc dans la maison, c'est à bord de Bosbo que canard. J'ai déjà cassé le pied ou j'ai déjà fermé les à tes gueules. Pardon. Pardon. Laisse-moi tranquille. On peut parler comme ça, ça rend de soeur. Je suis ton égal. Michel, je suis ton égal. Je suis ton aîné de combien d'années? Laisse-moi quand il parle, tu fermes les narines là. Ne me dis pas que ouais, grande soeur. Quand tu m'insultais ici hier, tu me dis comment. Heureusement que je suis même pas sûr. Je suis sûr que quelqu'un nous a même peut-être entendu. Jusqu'à tu peux ouvrir tes soupapes là-bas en bouche. Tu commences à raconter des choses. Tu dis que wow, comment j'ai hébergé un ambassadeur, comment j'ai aborté Tegel. Tegel! J'ai aborté souvent devant toi. Tu étais là quand j'abordais souvent. Tu vois quoi, mais maman, Yemki? Jusqu'à tu parlais. Et tu ne parlais pas à voix basse. Tu as même su. Est-ce que tu te souviens même encore de comment tu parlais hier? Que s'il y avait même quelqu'un là. Sambouam, tu veux me tuer? Tu veux. Non, si tu veux me tuer, tu me dis. C'est Désir qui ne peut pas venir comprendre que c'est comme ça. C'est ça, c'est comme c'est-à-dire que si tu ne veux pas la souillure, peut-être tu vas quitter en haut du chantier que tu vas aller comme manœuvre là, tu meurs. Essaye seulement de me désobéir. Même qui ça? Je t'entends parler. Pourquoi tu as toujours les mauvaises pensées comme ça? C'est comme ça parce que je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui est manœuvre, avec tout l'argent que ton père a, tout le luxe qu'il y a dans la maison. Là. On te voit peine d'aller porter le sable, porter les pousser les boîtes de sable, ça veut dire quoi? Bohen! Oui! C'est que la femme s'y veut, il y a encore quoi, on m'appelle là-bas. Pardon, reste là. Moi-même, je vais aller lever le pompe. Elle te dérange pourquoi? Reste là, ne bouge pas. Allons, sors pas seulement les Est-ce que c'est toi, Borel? Tu t'appelles Borel? Je pense avoir appelé Borel. Je veux voir Borel et non toi. Qui dit Borel? Dis-moi. Je suis la femme de Borel. Qu'est-ce que tu veux dire à Borel? Tu es vraiment culottée, ma fille. Tu es audacieuse. Vous vous êtes mariée quand? Je ne savais pas que vous étiez mariée. Je veux voir Borel. Je te prierai de m'appeler Borel. C'est lui que je veux voir. Dis-moi ce que tu veux dire à Borel. Je vais lui dire. Tu viens fort. Hein? Tu viens vraiment très fort. Je me demande si on va s'en sortir avec toi. Je comprends maintenant pourquoi tu es même tombé enceinte. Pourquoi ta mère est venue te jeter ici comme une malpropre. C'est à cause de ce mépris. Tu es hautaine. Depuis l'autre jour même que tu es arrivée, ta façon de me regarder, j'ai l'impression que je suis ta rivale ou une concurrente pour toi. Ma chérie. Et toi qui? Pour parler de mon comportement, toi qui? Quand toi-même tu te regardes là, toi tu vois que tu as un meilleur comportement. Hein? Tu vas venir juger mon comportement. Si toi-même tu as beau regarder ta part. Baisse d'un ton quand tu veux nous parler. Je te rappelle que c'est moi qui t'héberge. Et cette maison, elle est mienne et non tienne. Vous aussi, ma chérie, viens la manière dont vous me parlez. C'est simple. Oh, je respecte. Ma grande soeur. Hier, là, est-ce qu'elle parlait seule? Toi, tu ne m'as pas dit de méchanceté. Je t'ai dit quoi? Maman, de toute façon, tu m'as lavé hier. Je t'ai dit quoi hier? Tu m'as insulté, Koho. Je ne cherche pas les femmes. Tu me suspectes même d'être de l'autre côté. C'est comme ça. C'est ce que tu as dit, non? Pourquoi moi, je n'ai pas mis ça dans mon cœur? C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je pense. Voilà. Et donc, pourquoi tu es alors fâché pour. Égal, je ne suis pas ton égal. Nous formons une famille. Hein. Je ne suis pas ton égal. Nous formons une famille. Je suis ta grande soeur. Donc tu veux me jeter comme ça à cause de la vérité que moi j'ai dit par rapport à Agathe. Je suis ta grande soeur de 7 ans. Je ne suis pas ta grande soeur d'un mois ou bien d'un. Je suis ta grande soeur de 7 ans. Donc tu me dois, même si elle t'insulte, même je suis comme ta mère. Là où tu es là, ta mère ne vit plus. Ton père même ne vit plus. Donc je suis ta mère. Je suis d'abord ta mère avant d'être ta soeur. Donc même si je te dis quoi, tu n'as pas le droit de me répondre. Je pense que quand tu manges ici, c'est mon argent qui prépare. Les factures, tout ici, c'est moi qui paye. Tu n'es jamais rentré avec un sac de marché. C'est là que oh, ma grande soeur, voilà ce que j'ai amené aujourd'hui.
rien du tout. Donc il ne sait pas où tu prends le courage, où tu as pris ton courage là hier. Ce n'est pas la première fois que tu me parles comme ça. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois. Tu as toujours tendance à me parler comme si toi et moi on a fait les mêmes. Moi, je voulais ramener les choses en ordre, non? Toi aussi. Ne me parle plus jamais comme ça. Je te dis ça. Parce que hier là, c'est parce que j'avais. Non, c'est la dernière fois que tu dis ça. Pas hier là, je t'ai laissé parce que j'avais mal à la tête. Tu ne voulais même pas. Pas un jour, tu vas me parler comme ça. Je vais ramasser soit la machette, soit le bois, un bois au feu. Tu vas te faire un truc avec ça. Et tu connais comment mon cœur fait souvent. Donc, c'est la dernière fois que tu mets ta bouche sur moi. Voilà alors ça que tu dis aujourd'hui. Si la Dieu est témoin. Ne passe plus. Ça va, non? Ok, j'ai compris. Mais maintenant, est-ce que tu peux alors me donner de quoi manger? Je vois que tu as mal à la tête. Tu as mal quelque part dans ton corps. Qui te donne la nourriture? Qui te donne la nourriture? Moi, si. Moi, je te donne encore la nourriture dans la maison, si. Ou dans me. Tu me traverses ici. En tout cas, ma soeur, je voulais seulement te demander si j'avais quelque chose à manger. Si moi, il n'y a rien à manger. Et désormais, je ne prépare plus. Désormais, je ne prépare plus dans la maison, si. Le gaz qui est là-bas dans la cuisine, là, c'est ma part. D'abord, tu es un homme, non. Mais il y a les hommes qui préparent ma bouteille et ma plaque à gaz dans la chambre. Le jour qu'elle veut manger quelque chose, je ne peux pas dans ma chambre et finir de manger là-bas. Si elle veut sortir, je fais ma chambre, je sors. Surtout si nous sommes grands. Le cœur noir de ça. Ma grande soeur, moi, je m'en vais. Ne me touche pas. C'est pour ça que nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne se mettent pas en colère après. C'est bien. Le soir, ouais, qui derrière la même moi colère, là. Qui derrière moi, je m'en vais se voir seulement le soir. Toi, tu es enfant de Dieu. Oui, ça va, non. Ce qu'on t'apprend dans la parole de Dieu. On se voit, ma soeur. Porte-toi bien. Pour ma soeur. Que te fais pas un coup dans la maison, sinon tu changes mon nom. Borel lui-même, il a fait fort. Tu comprends maintenant pourquoi ta propre mère se débarrasse facilement de toi ici. Non, ça explique tout. Quand tu n'avais pas encore compris. Tu n'as même pas encore bien compris. Tu vas bien comprendre. Ce n'est que le début. Ma chérie, je te rappelle que tu n'es pas venue dans cette maison pour moi et vraiment, moi, je n'aime pas les problèmes. Et si tu es venue ici attiser le feu dans ma maison, je ne vais pas te le permettre. Si tu m'esquives, il n'y aura pas de feu. C'est simple. D'accord. Tu peux donc quitter pour que je puisse voir Borel. Pourquoi? Borel, sois ici, elle veut te voir. Appelez son nom doucement, c'est comment? Y'a quoi où tu le fais que ma mère crie le nom comme ça? Tu veux quoi? C'est quoi avec toi? Ok. Attends, toi aussi tu as rejoint, c'est ta compagne, c'est ta copine, c'est ta quoi là? Tu viens aussi avec le même mépris. Tu me veux quoi? Dis-moi ce que tu veux quoi? Je ne vais pas me fâcher de toutes les façons. Cache-moi. Ce que je m'en vais faire ici, je fais ça simplement par amour pour mon mari et non pour vous. Parce que si ça ne dépendait que de toi, vraiment je n'allais pas le faire. Moi, je te considère toujours comme mon fils. Si tu ne me considères pas comme ta mère, c'est pas grave, ça va, c'est pas un problème. Ton père m'a chargé de venir te prendre avec ta copine pour qu'on aille voir sa mère. Il faut qu'elle rentre chez ses parents. Donc, si vous voulez, soit vous vous apprêtez, soit on y va comme ça, vous me retrouvez au salon. Il faut qu'on aille parler à sa mère. Ce n'est pas bien qu'elle vienne rester ici chez nous comme ça. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Si jamais il lui arrive quelque chose ici, ce sera un autre problème et non le tien. Parce que c'est le chenou. Voilà que maintenant tu parles bien. Parce que moi, le problème me dérange ici là tous ces temps-ci là. Moi, il veut bien qu'on parle voir ses parents. Donc si c'est bon là, on peut partir comme ça, moi, il n'y a pas de souci. On vous et qui? Vous et qui? On ne bouge pas. Partez à deux, ça ne me concerne même pas. On ne bouge pas. Ton criquet, sinon. Ton criquet, si. Je ne te permets pas. Qu'est-ce que je ne bougeais pas? Ma chérie, je ne veux même pas d'abord t'attacher. Si tu ne veux pas partir, oui, il n'y a pas de problème. Tu peux rester. Je reste. Moi, je vais fermer ma porte. On y va. Est-ce que vous avez besoin de laisser votre porte ouverte? Même pas me coucher. Et mes problèmes de grossesse. C'est bon, je vais partir comme ça, voilà. Donc, toi-même, tu as déjà un énorme problème. Tu t'en vas encore chercher un problème catastrophique, tu viens ajouter à la liste. Suis-moi.
pose la nourriture comme ça, quand on se met à me laver, on me lave, je suis même souvent parfois dépassé. Mais, t'aimes pas bourrer là-bas avec une femme? Le mépris, hein? Bourrel, comment toi? Ça va et toi? Et comment tu maintenant tu es avec les femmes brunes? Jusqu'à tu les amènes ici là. Donc ce n'est plus ma nièce, tu as fini d'enseigner ma nièce, c'est maintenant avec les femmes brunes. Hmm? C'est qui lui? C'est l'oncle d'Agathe. Et elle c'est qui? C'est ma mère, la femme de mon père. Excusez-moi madame, excusez-moi vraiment. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, je comprends que chez vous c'est un héritage, ou c'est la jeunesse, ou c'est quoi, je ne sais pas, c'est pas grave. Et tonton, ma belle-mère là. Elle est là-bas. Pardon, pas, on voulait lui parler. Attends seulement, allez. Moi je ne peux pas, allez-y. Elle est là-bas. Ok. On se voit, non, après. Quoi? Et vient me demander à manger, je ne mangerai pas aujourd'hui. Pas manger tes dents. Et qu'on va voir à la guerre comme à la guerre. Oui, on va se manger quelque chose. Il m'en fout. Il m'en fout de ce qu'on va dire. Bonsoir. Toi encore ici. Toi ici, toi chez moi. Borel. 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 Il est où Borel? Pardon? Il n'est pas là. Mais tu ne me réponds pas de l'intérieur, tout au moins pour me dire qu'il n'est pas là. Comment? Il n'est pas là, il est où? Il est sorti. Sorti pour aller où? Il est sorti avec votre femme pour aller voir ma mère. Et vous êtes resté ici, vous n'êtes pas allé là-bas, pourquoi? Je ne veux pas partir. Pardon? Parce que je ne veux pas partir. Attendez un peu. Ils ne sont pas partis là-bas pour votre problème de grossesse? Et voilà pour ton problème. Tu ne me réponds pas comme ça. Tu ne me réponds pas ainsi. Ok? Cette attitude-là, ma femme m'en a parlé, et si tu continues à parler comme ça, toi tu ne me parles pas. Si tu parles aux autres ainsi, tu ne me parles pas ainsi, et non plus à ma femme. Ok? Quand un problème se pose comme ça, les femmes sont de l'homme de la maison. Pourquoi vous-même ne partez pas? Vous les j'en vois fermer la bouche, j'en vois la femme parler avec la femme. Ok? Ma femme me représente valablement. C'est ça. Et tu n'as pas le droit de me juger, de me dire comment je devais faire ou quoi que ce soit. Mais c'est quelle irresponsabilité ça? Hein? Il s'agit de ta grossesse, on devrait t'amener pour que tu parles à ta mère, c'est toi qui connais ta mère. J'ai dit que je ne partais pas, je ne peux pas partir de elle, c'est ça. Et tu restes faire quoi ici? Je reste, c'est ici que j'ai pris ma grossesse, non, c'est ici que je reste. Ok, nous allons faire simple. Ce que je vais faire, je ne vais pas ma folie, ni te suivre dans ta folie. Ce que je vais faire, j'attends le retour de ma femme et de Borel ici. Ils me donneront la conclusion qu'ils ont eue de ce côté-là. Tout compte fait, ce que tu dois savoir est que Borel et toi, vous n'aurez pas de place dans cette maison. Comme je l'ai souvent dit, parce qu'il est inadmissible, parce qu'à t'entendre parler, c'est comme si nous avons l'obligation de prendre soin de toi. Oui. Je suis désolé. Vous avez l'obligation. Borel est déjà adulte. Note ça. Parce que vous, les jeunes enfants d'aujourd'hui, toi, tu es une jeune fille, je ne comprends pas. Je comprends le dégoût de ta mère. Je comprends pourquoi elle est autant outrée. Il est inadmissible que tu aies une fille qui a un jeune âge quand tu es, et quand on s'attend peut-être à ce qu'elle nous récolte des diplômes, elle vient plutôt être suivie, elle surgit avec une grossesse. Ça ne va pas. Tu ne me réponds pas. Alors ce choix-là, tu iras mener ce choix avec ton homme. Vous allez vous battre dans cette maison? Oui. Dans cette maison? Oui. Chez moi? Oui. Ok. Je pense que c'est au moment où tu verras mon vrai côté. Donc le côté animal qui est en mode sortie, rejaillir, c'est là où tu comprendras vraiment que votre place n'est pas ici. Mais personne n'a pas vu le côté de l'autre, personne n'a pas vu la même part. Hein? Oui. Tu fais quoi chez moi? Hé! Nous te saluons.
Il ne manquait plus que ça. Je réponds au moins aux salutations. Je réponds, oui, je réponds aux salutations de qui? Vous faites quoi chez moi? Nous ne sommes pas venus ici pour faire les présents. Nous ne sommes pas là en guerre. J'étais à Dieu. Dans le tout, si tu as porté ta mère, tu as amené chez moi. Il n'était pas de mal, il n'a plus mal que tes pieds chez moi. Je suis venue discuter avec vous. Nous ne sommes pas venus ici faire les problèmes. Je veux vous parler au sujet des enfants. Il s'est passé ce qu'il s'est passé. Je suis là pour qu'on essaye d'arranger les choses, pour qu'on trouve une solution à ce problème. Je ne veux rien arranger. Je ne veux rien arranger. Là où je suis là, je ne vous ai pas dit que vous voulez arranger quelque chose. Je ne veux rien arranger. Je suis venu te laisser ta belle-fille. Toi, je suis venu te laisser ta femme, non? Ta femme que tu venais souvent appuyer ici devant ma maison, là, j'étais même aidée. Je suis venu la laisser chez toi. Tu me vends quoi? Tu vous venez faire quoi chez moi? Vous pensez vraiment que c'est comme ça que le problème va se résoudre? C'est comme ça que ça va se résoudre. C'est ce que on moi vient je... chez vous, même pas nous dire, je vous donne une chaise, je vous voulez vous asseoir. C'est comme ça que tu nous accueilles. Vous voulez vous asseoir où? Vous voulez vous asseoir où? Quand moi, je suis venue chez toi là-bas, tu m'as donné la chaise. Tu m'as demandé de m'asseoir quelque part. Maman, c'est parce que tu es venue seulement faire les problèmes. Tu es arrivée tellement chaude que je n'ai même pas eu le temps de placer un mot ou te dire bienvenue ou te proposer la chaise. Mais toi, tu étais tellement enflammée que là, je suis venue pour qu'on discute. C'est ainsi qu'on va discuter. C'est pendant que je serai debout qu'on tu va parler. Tu vas discuter étant debout, maman. Je ne veux même, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas ce qu'on va discuter. Je vous ai dit qu'elle ne veut pas vous voir. Tu dis que toi, non, ton odeur me tend les nerfs. Maman, baisse le cœur, je suis une mère comme toi. Je suis aussi une femme. Quand je sens ton odeur comme ça, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Ce que tu vis actuellement, j'essaie de ressentir ta peine, ta douleur. Je suis de tout cœur avec toi. Voilà pourquoi je suis venue là, pour qu'on trouve une entente. Hein? Tu as été éduquée à la rue. Je veux savoir, ton éducation, c'est quoi, c'est une éducation à la con? Tu me réponds aussi? Comment vous êtes venu, comment? Je viens comment? J'ai une façon avec laquelle je dois venir vers toi. Oui. Hein? Oui. Je comprends maintenant pourquoi ta mère est dépassée. Je comprends pourquoi tu te retrouves ainsi. Ça veut dire que tu as grandi sûrement sans éducation. C'est quelle façon ça? C'est mon éducation que vous avez mis. Mais elle est à refaire totalement. Si tu as pris la décision d'aller faire un enfant avec lui, quand toi tu le gardes pour elle, physiquement c'est vrai qu'on ne juge pas une personne par son apparence. Il a une bonne éducation derrière, mais physiquement il donne l'air d'être un voyou. Mais maintenant qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais tout au moins considérer d'abord une chose. En tant que jeune fille, tu t'assois, tu te poses la question, quel est mon devenir? L'enfant que je m'en vais faire ici, on va le nourrir comment? Oui, ça l'a mené à assurer. Par qui? Nous sommes deux mères, non? Je nous ne sommes pas dans cette situation. C'est ta fille qui enseigne, mais c'est mon fils qui enseigne. Hein? Ça donc, comme tu as un problème là, c'est comme ça que j'ai un problème. Je voudrais qu'ensemble, on mélange ça, que ça fasse seulement un problème et non deux. Ensemble avec qui? Nous sommes les parents. Ensemble avec qui? J'ai dit que moi là où je suis là, j'ai déjà résolu mon problème. Donc, tes choses que tu viens, tu dis qu'on va arranger. Il n'y a rien qu'on va arranger à la mère de la maman. Sauf que ta résolution ne m'arrange pas, ça ne me plaît pas. Tu es venu me déposer l'enfant à la maison. Ta belle-fille. C'est ta fille. Il s'agit de ton colis. Il s'agit de ta fille. Bon, quand tu es venu me donner l'enfant, là, si jamais il lui arrive quelque chose pendant qu'elle est dans ma maison, que diras-tu? Oui, si elle veut me. Ah bon? Oui. Mais ça, c'est une mère qui parle comme ça. Tu t'entends pas? Oui, je parle comme ça. C'est tu appelles qui ta belle-mère, Yuad? Tu es malade. Tu appelles qui ta belle-mère? Qui est ta belle-mère? On ne va pas, on n'a pas besoin de s'enflammer. J'ai dit que je veux qu'on parle. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes non des ennemis. Toi et moi, nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes appelés à être désormais des sœurs. Nos enfants ont décidé de nous unir. Donc, je ne vois pas pourquoi tu te comportes comme ça avec moi. Parce que à l'avenir, je ne suis pas sûre que c'est la même relation qu'on aura. Pense au moins qu'un jour. Tu vas rire avec moi. Pour le moment, je n'ai pas envie de rire avec toi. Je suis venue te laisser ton colis, ta belle fille. Toi, je suis venue te laisser ta femme. Pour le moment là, qu'elle reste là-bas. Même si quand elle va accoucher, je vais venir. Il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, si. Laissez-moi digérer. Laissez-moi digérer. Parce que là, je suis là. Ça m'énerve à un niveau où. Mystique Damien. Vous ne pouvez même pas savoir ce que je ressens. Donc, ça baisse le cœur. Je t'en prie, baisse le cœur. Tu es venu laisser, elle s'appelle comment? C'est qui là? Agathe. Tu es venu laisser Agathe à la maison. C'est une femme enceinte. Et toi et moi savons combien une femme enceinte peut être très délicate.
Si jamais lui arrive quelque chose, si elle tombe et meurt, tu vas pleurer. Si elle tombe là, quelque chose lui arrive, tu vas réclamer les comptes à qui? Je vais pleurer, tu vas demander quoi? Même si elle pleure, je serai la première à pleurer. Je vais pleurer, après ça va passer. D'ailleurs, ça nous met dans les problèmes aujourd'hui. Comme toi, tu lèves les mains là. Si je lève aussi les mains, ça va donner quoi? Oui. Lève les mains, maman. Lève les mains, il va voir là où elle quoi? Va venir. Et elle va aller rester. C'est un bébé. Là où il est quoi? C'est un mineur. Ok. Un vieux comme ça, là, tu me dis que lève les mains, il saura comment il va faire avec son épouse. On accepte même d'assumer les responsabilités. Nous ne refusons pas la grossesse. Nous ne nions pas. On ne refoule pas l'enfant. Moi, je serai une jeune grand-mère. Tu peux d'abord, nier la grossesse là. Tu peux nier la grossesse là, toi. Il fallait seulement tenter de faire les choses que les hommes font souvent ici dehors. Oh, ce n'est pas mon enfant. J'allais peut-être. J'ai décidé de couper son argent de poche. J'ai décidé de ne plus rien lui donner. C'est pas pour s'arranger, c'est pour son argent de poche soit intact. Mais si vous ne vous arrangez pas, non, on va seulement rester sans vous. Est-ce qu'on va aller manger dans la poubelle? C'est ce que tu me dis. Okay. Dans tous les cas, c'est moi-même qui te mettrai à la porte. C'est j'attends juste que tu ne reviennes. Ma fille, tu ne me parles pas ainsi. Et c'est ton état de grossesse qui fait en sorte que je ne prenne peut-être pas ma ceinture. Je peux fouetter comme je le fais avec ton mari. C'est que tu appelles ton mari là. Tu me suis? Et si ton attendez un bout de ses cheveux qui sont sur la tête là, vous avez été incapable de demander de couper ses cheveux, mais c'est moi. C'est sur moi. Quand je parle là, c'est Dieu me fouette. On ne juge pas une personne à travers ses cheveux. C'est ce que j'ai dit, que son physique est trompeur. Ce n'est pas quelqu'un qui est. C'est pas un voyou. Mais maintenant, il est irresponsable parce qu'il ne veut pas prendre sa vie en main. C'est différent. Mais c'est à cause de vous. Ok? À cause de qui? C'est à cause de vous. Vous coupez d'abord son argent pourquoi? Wow. Vous avez tous les moyens de mettre vos campagnes, lui donner l'argent, d'aller faire les concours, vous êtes incapable, mais vous dites que l'enfant est incapable. C'est ce qu'il t'a dit. C'est ça qu'il t'a dit. C'est ce que moi je vois. Tu sais combien de concours j'ai déjà eu à faire dans tous les cas. Je veux qu'on compte à te rendre. J'ai juste dit, tu as été irresponsable en restant ici. Parce que ta vraie place est chez ta mère. Je vais décider, je peux prendre si on s'assoit et qu'on s'entend. On peut prendre soin de toi. Je vais dire, Boré peut prendre soin de sa grossesse, toi étant chez ta mère. Tu viens là, tu es marié. Tu ne veux pas que tu te vends moins cher. Je ne suis pas vendu moins cher. Ta mère, tu ne sais pas qu'elle attend. Elle s'attend à ce que, comme elle est venue te laisser ici, que tu ne partes lui dire, maman, j'ai péché. Péché, c'est quoi? Ah, tu n'as pas péché. Ok, d'accord. J'espère tout au moins. Je l'ai dit. D'accord. Vous avez au moins les moyens de votre politique. C'est ici là je suis dans ma chambre. Ici. Quand ils vont revenir, je comprendrai. Mais pour le reste là, ma décision, je la prendrai quand ils vont arriver. Tu es prévenu. Moi, il est sorti d'ici. Vous parlez souvent de choses là comme si. Comme des gens sont les fous, les folles. Ici là, ici qu'elle est calme. Maman. Moi, je serai une jeune grand-mère et moi, ça me rend heureuse. Je c'est ne bien. Sais pas si quoi. Ça c'est ne me rend pas heureuse. Mais je t'en prie, baisse le cœur. Ce sont des enfants. Toi et moi, on était aussi jeunes. Nous étions toutes deux jeunes. On a aussi fait ce qu'ils sont en train de faire. C'est même pas parce que ça a cuit. Bon, quand je te regarde, je regarde ta fille. Tu l'as aussi eu jeune. Je te comprends. Toutes ces années de sacrifice, de dur labeur, tu t'es tellement sacrifié pour que ta fille devienne une grande femme. Le rêve de toute mère. Je te comprends. Mais ce n'est pas femme. Parce qu'une femme est une jeune fille ou une femme est enceinte que sa vie est finie. Ce n'est pas parce qu'elle va aujourd'hui accoucher qu'elle ne pourra plus peut-être fréquenter si tu veux qu'elle fasse de longues études, qu'elle ne pourra pas apprendre aussi, qu'elle ne pourra pas voyager. Tu ne connais pas les ambitions que tu as pour ton enfant. Mais je te dis que l'enfant qu'elle a dans son ventre ne rend rien impossible. Nous sommes déjà co-épouses, ma chère co-épouse. Je t'en prie, baisse le cœur. Tu es co-épouse avec le nom de mon mari. Tu es co-épouse avec qui? Avec qui tu es co-épouse avec qui? Le gens que j'ai souffert avec mon enfant, on a dit, il me caresse, nous sommes co-épouses. Ça a même d'abord commencé comment? Ça avait commencé par où? Ça a commencé comment? Le gens que j'ai souffert avec mon enfant, envoyer mon enfant à l'école. Elle est même arrivée à l'université. Je suis sûr que non, mon enfant va finir avec. Comme ça ne suffisait pas. Le bandit, si pas m'enceinter l'enfant, tu partais m'enceinter l'enfant pour quoi? Là où je suis sinon. Mais nous nous avons bien me menacer, peut même me doser. Je dis que. Je ne sais pas. Jusqu'à tu me dis que tu es mariée. Je ne suis pas ta co-épouse. Je ne suis pas ta co-épouse. Rentre chez toi. Prends ton enfant, allez chez vous. Maman, tu es venue me laisser. Prends ta mère, vous partez chez vous. Je dis qu'allez chez vous. Partez. Je dis que vous partez chez vous. Allez. Je ne ris pas avec vous. Allez chez vous. Partez. Allez. Ne faites pas qu'elle me déshabille maintenant. Allez chez vous. Tu es une sangne.
Je suis tranquille ici chez moi et vous avez mis à laisser là-bas, vous venez tout me chercher ici. Yannick, elle veut couper. Ne parle même pas. Venez tout me tenter ici là. C'est ton mari qui attend ici maintenant le tour. Si pas comme tu es venu avec ton fils là. Après demain, c'est ton mari qui va arriver ici, vous attend. Ça ne fend pas la lèvre de quelqu'un ici là avec le caillou ou avec le bois, vous allez lever mon nom. Le couépouce, couépouce, c'est pas couépouce. C'est la magie même que je vois. Mmh.